L'école vient à peine de commencer et t'as déjà hâte de partir en vacances? Regarde notre nouvelle compilation de vidéos et découvre comment rendre ton quotidien à l'école plus amusant et plus intéressant. Aujourd'hui, on va fabriquer un pinceau sirène tendance, cacher des écouteurs dans un ananas et décorer le bureau avec des donuts sucrés. Et pour commencer, voyons ce qu'on peut faire avec une bouteille en verre ordinaire. Tu as besoin de pâte à modeler bleue autodurcissante. Forme un boudin et étale-le au bas de la bouteille. Répartis uniformément la pâte à modeler sur le verre. Coupe les bords en les rendant ondulés. Colle une boule de pâte à modeler dessus. Pétris un morceau de pâte à modeler jaune. Colle-la autour du goulot de la bouteille. Étire la bordure avec ton doigt. Forme une grande sphère avec un morceau de pâte à modeler rose. Fixe-le sur le couvercle. Ajoute des oreilles et une queue. Dessine des visages de style animé. Maintenant, tu peux emporter de l'eau ou ton soda préféré à l'école dans cette jolie bouteille Pokémon. Tu vas devenir une véritable influenceur dans ton école. Et dans cette astuce, on va décorer un pinceau de peinture. Couvre le manche du pinceau avec de la colle chaude. En faisant tourner le pinceau sur son axe, forme une spirale avec un pistolet à colle. Remplis l'espace entre les vagues avec des gouttes de colle chaude. Place le pinceau sur du verre et forme une queue de poisson avec de la colle chaude. Prends des peintures acryliques de couleurs vives. Colore la queue de la sirène. Il est temps de se plonger dans la créativité et d'apporter de la couleur au monde. Ce pinceau sirène original t'aidera beaucoup. Et la prochaine idée devrait plaire aux mélomanes. Tu as besoin d'un œuf en plastique provenant d'un Kinder Surprise. Couvre-le de peinture jaune. Dessine des écailles brunes avec un pinceau fin. Dessine des yeux noirs. Ajoute des reflets blancs. Et un sourire. Découpe des feuilles dans une feuille de papier mousse verte. Colle-les avec un pistolet à colle. Fixe-les au sommet de l'œuf. Quel ananas merveilleux! Enroule tes écouteurs et cache-les à l'intérieur de l'œuf d'ananas. Cet étui fruité pour tes écouteurs est mignon et très confortable. Pour que ton quotidien à l'école soit vraiment festif, tu auras besoin de drapeaux en papier avec des poneys et d'une feuille de papier mousse pailletée auto-adhésif. Dessine des lettres sur la feuille de papier mousse. Découpe-les. Assemble le mot « école » avec les lettres. Retire le film protecteur et colle les lettres et les drapeaux en papier. Après avoir assemblé le mot entier, relie les drapeaux avec un ruban. Accroche ta guirlande au mur. Cette déco est vraiment stylée! Pour cette astuce, il te faut du papier épais et coloré. Plie une feuille carrée en deux. Plie les coins vers le centre. Repasse les plis. Déplie la feuille. Plie le coin vers l'intérieur. Rabats maintenant les coins. Coupe le surplis de papier. Arrondis les coins. Colle des éléments en papier mousse pailleté dessus. Ajoute des yeux mobiles. Accroche le raton laveur au coin d'un livre. Ces petits animaux marque-pages ont un look super intéressant et créatif. Et ils peuvent être réalisés en seulement 5 minutes. Dis non aux couvertures grises et ennuyeuses. Tu as besoin d'une feuille de papier avec un imprimé floral. Emballe la couverture du cahier avec. Décore-la avec deux bandes de feuilles vertes parallèles. Fixe des rubans de dentelle avec un pistolet à colle. Colle une étiquette au milieu pour que le cahier puisse être signé. Choisis des motifs élégants et découpe-les. Colle les images avec de la colle elle-mère. Décore l'intérieur de la couverture comme t'en as envie. Note l'emplacement pour mettre une photo. Et le nom du propriétaire de ce superbe journal. Ce joli carnet gardera tous tes secrets. Transforme une tasse de thé ordinaire en quelque chose de plus intéressant. Dessine le nez et les joues d'un chat avec de la peinture blanche. Colore-le. Utilise du rose pour faire un nez en forme de cœur. Assombris le contour et dessine des moustaches. Cette tasse de thé Snapchat te ravira et surprendra tes potes.
Pour cette astuce, tu auras besoin d'une feuille cartonnée blanche et de pince-notes. Un grand et deux plus petits. Fixe les pince-notes avec un pistolet à colle. Décore la feuille avec des créatures marines. Choisis un calendrier approprié. Attache-le au plus grand pince-notes. Attache les feuilles avec des numéros sur les plus petits pince-notes. Le mois à gauche, le jour à droite. Un calendrier comme celui-ci peut être accroché au mur ou simplement placé sur une étagère. Et pour l'idée suivante, tu auras besoin d'une feuille de papier mousse rose auto-adhésif. Trace la silhouette de deux flamants roses et prends quelques plumes décoratives. Colle l'image sur une trousse à stylo blanche. Ajoute le plumage sur les oiseaux. Ce couple de flamants roses va te faire adorer les mathématiques. On va partager une idée pour réincarner une bouteille en plastique. Coupe le goulot. Pétris un morceau de pâte à modeler autodurcissante. Colle-la sur le tranchant du plastique. Décore la bordure avec des disques en pâte à modeler. Maintenant, il te faut de petites balles. À l'aide d'un pistolet à colle, fixe-les autour de la bouteille. Colore le plastique avec des peintures acryliques. Colle des yeux dessus. Dessine un sourire. Tu peux ranger tous tes crayons, stylos et autres fournitures scolaires dans ces organisateurs en forme de méduse. Et maintenant, il te faut une boîte déjeuner ordinaire. Découpe des images dans du papier de riz fin. Mets un peu de colle Elmer dans un bocal et dilue-la avec de l'eau. Mélange. Applique le mélange de colle sur la boîte déj. Colle une image dessus. Couvre-la avec de la colle Elmer diluée. Et applique également de la colle sur les côtés de la boîte. Décore les côtés avec des images. Fais pareil sous la boîte. Recouvre les espaces vides de peinture acrylique jaune. Ajoute des touches d'argenté. Ce découpage Mickey est au final très sympa et très stylé. Miam! Le repas qui se trouve dans une si jolie boîte ne peut que être le meilleur! Dans cette astuce, on va utiliser du papier de couleur. Découpe un cœur, un ours et deux petits triangles. Colle-les ensemble. Ajoute de petits éléments. Colle ton bricolage sur un sac en papier. Impossible maintenant de confondre ton sac avec un autre. Et ainsi, personne ne mangera ton goûter. Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser pour décorer ce taille-crayon ennuyeux? Trace des spirales de crème sur un morceau de papier mousse violet. Et un fond de pâte sur une feuille de papier mousse fuchsia. Découpe le gâteau et colle-le sur le taille-crayon. Fais un trou pour les crayons. Découpe des étoiles dans une bande de papier mousse jaune. Décore le dessert avec. Ce cupcake taille-crayon unique apportera de la couleur sur ton bureau. Pour cette vidéo, tu auras besoin d'une feuille en carton blanche et d'un cahier ordinaire. Emballe la couverture du cahier avec la feuille cartonnée. Dessine un drôle de lapin avec un crayon ordinaire. Tu as maintenant besoin de gouache de toutes les couleurs. Recouvre la feuille de peinture bleue sans toucher au contour du dessin. Peins le lapin en gris. Fais-lui un ventre jaune. Colore les détails en gris. Ajoute des nuages blancs mousseux. Utilise un marqueur noir pour détourer les yeux et le nez. Waouh, comme il est mignon! Même le plus ennuyeux des cahiers peut devenir original et coloré avec une couverture pareille. Ta règle préférée s'est cassée? Quel dommage! Mais on sait comment la réparer. Tu auras besoin d'un morceau de carton pailleté. Trace le contour d'un donut. Découpe-le. Tu dois maintenant faire un glaçage au chocolat. Découpe-le dans une feuille cartonnée marron. Joins les éléments avec un pistolet à colle. Découpe des vermicelles en sucre dans une feuille de papier mousse pailleté. Décore le donut. Fixe le donut fraîchement préparé sur la partie cassée de la règle. Ce donut fait à la main n'est pas pire que celui acheté en magasin. Et ta règle est comme neuve! Pour cette autre astuce gourmande, tu auras besoin d'un stylo à billes. Dévisse la cartouche du stylo et retire-la.
Utilise un cône en papier en guise d'entonnoir pour verser des paillettes dorées dedans. Remets la cartouche à sa place. Mais ce n'est pas tout. Pétris un morceau de pâte à modeler autodurcissante. Forme une boule. Presse-la pour l'aplatir. Fais un trou au milieu. Couvre le donut d'une couche épaisse de peinture marron. Décore-le avec un glaçage en pâte à modeler. Décore-le avec des vermicelles en sucre. Et dessine une tête rigolote. Maintenant, n'importe quel gourmand peut avoir un kit entier de fournitures scolaires appétissantes. Tu as aimé nos idées? Lâche ton like et dis-nous dans tes commentaires quelles astuces t'ont plus surprise que les autres. Abonne-toi à Troum Troum. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos.